Bonjour, bonsoir, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. C'est tout simplement une vidéo que vous me demandez de faire depuis 1 ou 2 ans maintenant. C'est une vidéo vraiment que je vous ai promis de faire depuis hyper longtemps. C'est tout simplement la vidéo sur James Charles. Vous étiez nombreux à me demander de vous expliquer la descente aux enfers de James Charles, comment il est passé de ce qu'il était avant à ce qu'il est aujourd'hui, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo les gars, aujourd'hui cette vidéo est en collaboration, donc je vous laisse avec une petite page de pub. Je voulais vous parler de eBay Club. C'est clairement pas la première fois que je vous parle de eBay Club, je pense que maintenant vous commencez à connaître. C'est tout simplement un service de cashback. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est le cashback, Tony? C'est tout simplement un moyen de faire des économies et de vous faire rembourser une partie de vos achats. En plus de ça, c'est totalement gratuit. C'est valable sur pratiquement toutes les enseignes, les gars. 10% sur Asos, vous avez 17% sur Yves Rocher, 5% sur Darty, 4% sur Booking. Vous allez me dire, ouais, c'est bien, mais comment ça marche? Bah, c'est hyper simple. Quand vous téléchargez eBay Club, vous allez avoir une cagnotte. Et une fois que sur cette cagnotte, vous allez atteindre les 10 euros, vous allez pouvoir vous faire un petit virement PayPal ou un petit virement bancaire sur votre compte. Il faut savoir que normalement, quand vous vous inscrivez sur eBay Club, vous avez 3 euros offerts à votre inscription. Mais avec mon lien que je vous mets dans la barre d'infos, vous allez avoir directement 6 euros offerts sur votre cagnotte. Aussi, ils ont mis un nouveau truc en place qui est hyper sympa, qui s'appelle les bons d'achat. Je vous en ai déjà parlé. En fait, vous pouvez tout simplement acheter des bons d'achat maintenant sur eBay Club. Vraiment, c'est super sympa, et même pour faire vos courses, etc., ça permet de faire des économies. Intermarché, Airbnb, Carrefour. Comme vous savez, c'est pas la première fois que je vous en parle. Ça fait bientôt 2 ans que je collabore avec eBay Club. Du coup, j'ai vraiment économisé beaucoup d'argent sur mes achats. Donc voilà, les gars, comme vous savez, j'adore eBay Club. Je vous conseille à 100% de télécharger. Donc, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Téléchargez, vous aurez 6 euros offerts et je vous promets que vous ne serez pas déçus. Donc, du coup, on va passer directement avec le sujet principal de la vidéo. Let's go! James Charles a toujours été passionné de YouTube depuis qu'il est tout petit, puisqu'il a commencé YouTube en septembre 2010. Donc ça fait très très longtemps, donc ça fait plus de 12 ans. Il avait tout simplement une première chaîne YouTube qui s'appelait Jace Coding. Et c'était une chaîne YouTube où voilà, c'était un enfant, mais il racontait un peu sa vie, il faisait des tags, il faisait des vidéos avec sa webcam. Et il a fait plusieurs covers aussi où il chante, etc. Hi everyone, this is James here. So I've been getting a lot of requests lately to put out a video of like myself singing. Probably so dancing with a beach blonde tramp and she's probably getting frisky. Robert's got a quick hand. Sur cette chaîne, il n'était pas vraiment investi à 100% puisqu'il l'a gardé pendant 2 ans et puis il a tout arrêté en 2012. Plus de 3 ans après, donc on n'avait pas de nouvelles de James Charles de 2012 à 2015 puisque c'est en 2015 qu'il fait son grand retour sur Instagram. Il faut savoir que lors de son retour sur Instagram, bah, c'était pas sa personne en fait qu'on voyait. Il est revenu en tant qu'un peu make-up artiste. Son compte Instagram s'appelait G Charles Beauty et il postait simplement d'autres personnes, donc des modèles, des filles qu'il maquillait en fait. Par la suite, du coup, je pense qu'il a eu envie de se montrer un peu plus et donc c'est là qu'il a commencé à poster un peu des photos de lui et où il a commencé aussi à se maquiller et à poster plusieurs de ses make-up sur ce compte Instagram. D'ailleurs, déjà en 2015, il faisait des tutos sur son compte Instagram pour montrer comment faire un contouring, comment se maquiller, etc. Il faut savoir que James Charles, du coup, a pris la décision de revenir sur YouTube en mars 2016. Donc c'était tout simplement un tutoriel make-up où il expliquait comment faire le make-up qu'il avait sur lui, le reproduire, etc. Today, I did this blue, brown and green triochrome look. I'm gonna call it Serpent. And if you guys want to see how to recreate this make-up look, make sure to keep on watching. On sait aussi que James Charles s'est fait énormément connaître grâce à Twitter et grâce à tous les mèmes sur lui, toutes les polémiques sur lui. Il faut savoir que la première fois que Twitter ont vraiment parlé de lui, c'était tout simplement parce qu'il avait reproduit une de ses photos quand il était étudiante, donc une photo d'école en fait, et la reproduire vraiment maquillée, etc., comme il était actuellement. Ça avait énormément fait parler sur Twitter. Et d'ailleurs, à cette époque-là, donc c'était en 2016, faut savoir que Zendaya avait repartagé le tweet de James Charles. Ça avait encore une fois donné plein de puissance à James Charles et ça lui avait apporté pas mal d'abonnés de se faire quand même repartager par Zendaya. En plus de ça, il y a aussi des magazines de presse qu'ils ont commencé à sortir des articles. Et faut savoir que grâce à cette histoire là, il a gagné
400 000 abonnés sur son compte Instagram et plus de 100 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Donc c'est vraiment ce qui l'a lancé en fait. Par la suite d'ailleurs, il s'est fait approcher par une grande marque américaine qui s'appelle CoverGirl, dont d'ailleurs Zendaya, Katy Perry, Rihanna avaient déjà été égérie. Et du coup, en 2016, il est devenu l'égérie de la marque. Faut savoir que c'était quand même une grosse avancée pour les hommes qui se maquillent, etc. puisque c'était le premier garçon à être ambassadeur de cette marque. Ils avaient toujours eu des gros noms, des grosses stars, etc. Mais là, c'était la première fois qu'on voyait un garçon qui était égérie de la marque. Faut savoir aussi que grâce à ça, du coup, ça faisait encore plus parler de lui et qu'il commençait à être invité aussi sur des plateaux télé. Par exemple, sur le plateau du Ellen Show, qui est un énorme show aux États-Unis qui fait pas mal polémique. Now he's made history by becoming the first ever male cover girl. From Bethlehem, New York, please welcome 17-year-old James Charles. So, James Charles, you're the first male cover girl. Et faut savoir d'ailleurs que la rediffusion de son passage dans Ellen sur YouTube compte plus de 11 millions de vues. Ça lui a donné à cette époque énormément de force aussi. Faut savoir que déjà à cette époque, quand il était égérie CoverGirl, il avait eu un énorme scandale puisqu'il avait mis un tweet disant: je ne peux pas croire qu'on va en Afrique aujourd'hui, oh mon dieu, et si on attrapait Ebola. Et à la suite de ça, la marque CoverGirl avait décidé carrément de réagir et de dire: le tweet de James Charles ne représente pas les perspectives de CoverGirl. Donc déjà avec la première marque avec qui il était égérie en collaboration, etc., il y avait déjà eu des dramas autour de lui. Faut savoir aussi qu'à cette époque là il a commencé à devenir un énorme même sur Twitter parce qu'il y avait une photo de lui qui avait été prise avec une fan où il avait tout simplement un flashback de poudre et du coup il avait totalement le visage tout blanc et du coup tout le monde s'était foutu de lui et c'était venu un énorme même sur Twitter. Et dû à son tweet problématique, il avait posté des excuses sur Twitter en disant: je suis extrêmement désolé, sans compter mes intentions, les mots ont des conséquences. Je prends l'entière responsabilité, j'apprendrai et je ferai mieux. Quelques mois après, il était au cœur d'un nouveau scandale à cause du film Ça, le film Hit, qui est sorti au cinéma. Puisqu'il avait été invité à l'avant-première et il avait posté un tweet en disant: ok, 5 minutes à l'intérieur et le film Hit est vraiment nul, restez connectés pour des mises à jour. Et en fait, après avoir posté ce tweet, quelques jours après, il a profité du film pour faire un make-up sur sa chaîne YouTube. Et du coup, il y avait plein de gens qui étaient en mode: mais genre, t'as critiqué le film, t'étais invité à l'avant-première, t'as mis des tweets pour dire aux gens de pas aller le voir, et juste après, tu profites du buzz autour du film pour faire une vidéo make-up. Du coup, il y avait même des acteurs qui avaient réagi et les gens étaient grave énervés contre lui. En 2017, il a créé sa marque de vêtements qui s'appelle Sisters Apparel. D'ailleurs, à cette heure-ci, c'est toujours en vente. L'année d'après, donc en 2018, James Charles était de nouveau dans un gros scandale par rapport à Ariana Grande, parce qu'il a décidé de parler d'Ariana dans une de ses vidéos YouTube et pas en bien, puisqu'il a tout simplement confié qu'Ariana Grande était la pire célébrité qu'il a rencontrée juste parce que Ariana avait décidé de l'unfollow. Who's been the rudest celebrity you've ever met? Ariana Grande. I went to her show here in LA and that's when I met Kim Kardashian for the first time, who was so nice. And I posted a bunch of videos on my story from the night. The next morning I had woken up and she had DM'd me. I was like, oh my god, thank you for coming. And she was so sweet and I was like, oh, I love you the most ever in the world. She followed me and DM'd me and I was like, oh my god, I love you the most ever, like, thank you. And this is right after like all my scandals started happening, so I was getting like a bunch of really really angry tweets from her fans that were really mad that she had followed me. And literally 4 hours later I started getting tweets being like, wow, Ariana unfollowed James, like the rat gets what he deserves, like wow, love karma. And I was like, what the heck. So I checked and she did actually unfollow me like literally 3 hours after she followed me. Maybe he just tweeted. Ensuite, le 2 novembre 2018, il y a sa fameuse collection avec Morphe qui sort, donc sa fameuse palette que tout le monde a, j'ai l'impression, et que tout le monde a cassé quand il était dans des dramas. Faut savoir que ça a énormément fait parler également puisque la palette a été sold out en moins de 10 minutes. Donc c'était vraiment un truc de fou. En 2019, ça a été aussi l'un des premiers influenceurs à être invité au Met Gala. Puisqu'il faut savoir que le Met Gala, c'est une cérémonie qui est hyper prestigieuse. Dites-vous que même Khloé Kardashian n'a jamais été invitée au Met Gala parce que Anna Wintour juge qu'elle n'est pas assez célèbre. Encore une fois, il s'est fait énormément critiquer sur Twitter parce que les gens disaient qu'il n'avait pas sa place au Met Gala et en plus il disait clairement que sa tenue était horrible. Faut savoir que déjà à ce moment-là, il avait atteint les 15 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube, ce qui est absolument énorme. James Charles faisait partie d'un groupe, donc en fait d'un groupe de youtubeurs qui s'appelait le Sister Squad, et dans ce groupe il y avait tout simplement les Dolan Twins, Emma Chamberlain et James Charles. Donc ils étaient tous les quatre et ils faisaient tout le temps des vidéos ensemble. Hey sisters, James Charles here and welcome back to my YouTube channel. As you can see, I am joined with the Sister Squad.
We're back, ladies. Il avait aussi une super bonne relation avec la youtubeuse Tati Westbrook. Donc c'est une youtubeuse beauté qui est là depuis plus de 10 ans. Il faut savoir aussi qu'elle l'a énormément pris sous son aile et qu'elle lui a donné énormément de visibilité aussi sur YouTube parce qu'elle faisait beaucoup de vidéos avec lui, etc. James Charles, you are changing everything. People love you so much. Don't cry. Donc ensuite, il y a un gros drama qui a éclaté puisque en fait en 2019, Tati Westbrook a lancé sa marque de compléments alimentaires qui s'appelle Hello Beauty. Et James Charles avait dit à Tati qu'il ne voulait pas faire la promotion de ses compléments alimentaires parce que lui jugeait que sa communauté était trop jeune et qu'elle n'était pas destinée à ce genre de produit. Sauf que au mois d'avril 2019, James Charles a décidé de faire de la promotion à une marque de compléments alimentaires qui s'appelle Sugar Bear Hair. I also want to give a quick shout out to Sugar Bear Hair. I met their team weekend one at Coachella. You guys probably already know about their iconic hair vitamins, but they just came out with brand new vegan sleep vitamins. Donc de là, Tati avait réagi. Elle avait dit qu'elle se sentait utilisée par James Charles, que c'était pas vraiment son ami, etc. When you do so much for people in your life and they not only don't return the favor, but they just don't even see you. Like, I get it. I fucking get it. I'm just so upset. Et elle a sorti ensuite sa fameuse vidéo que vous connaissez tous qui s'appelle Bye Sister, qui durait 40 minutes dans laquelle elle exposait James Charles de A à Z. Donc en gros dans sa vidéo, pour vous résumer, elle disait que James Charles était un prédateur sexuel envers les hommes hétéros, que c'était un mauvais ami, qu'il ne l'a jamais vraiment supporté, qu'il n'a jamais fait de pub à sa marque, etc. et qu'il l'a jamais soutenu alors qu'elle faisait que ça. Qu'il avait un mauvais comportement dans sa famille et dans son entourage en fait quand elle le ramenait à des événements familiaux ou quoi. Et que par exemple quand elle était avec des invités prestigieux ou avec des gens de sa famille, il faisait que de parler de sexe. James Charles, il avait tout simplement réagi à tout ça en faisant une vidéo où il avait l'air triste, où il pleurait, etc. Et ensuite il a décidé de supprimer cette vidéo parce que je pense que d'après lui c'était pas la chose à faire. Et il en a reposté une nouvelle qui s'appelle No More Lies. Dans cette vidéo en fait il va tout simplement s'excuser envers Tati, donc il va lui présenter ses excuses. Et ensuite il démontre aussi que les accusations de Tati sont fausses en sortant plusieurs screens de conversation, etc. Du coup le drama était un peu passé, plus personne n'en parlait, etc. Puisque du coup James Charles avec sa vidéo, il y avait plein de gens qui étaient retournés de son côté et qui le croyait de nouveau. Donc en avril 2020, tout allait au mieux pour James Charles en fait, puisqu'il a carrément lancé sa propre émission de télé-réalité sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Instant Influencers. C'était tout simplement une émission dans laquelle il invite des jeunes influenceurs dans une compétition autour du maquillage, etc. En novembre 2020, il a fait la couverture du magazine Vogue Portugal. Donc c'est très très stylé quand même de faire la couverture d'un magazine Vogue. Et faut savoir qu'à ce moment-là, avant que tout s'écroule pour lui, il y avait aussi des rumeurs qui disaient qu'il était en train de monter sa marque de maquillage. Il y avait plusieurs articles qui étaient sortis il avait confirmé en fait sa marque de maquillage allait bientôt sortir, donc on attendait tous qu'il sorte sa marque. Et quelques mois après, c'est là qu'a commencé sa réelle descente aux enfers. Faut savoir qu'une quinzaine de jeunes garçons qui ont tout simplement entre 15 et 18 ans se sont manifestés sur TikTok en montrant tout simplement que James Charles les avait ajoutés sur Snapchat et qu'il leur avait demandé du contenu pornographique alors qu'ils étaient mineurs. Et là, c'était pas juste des accusations à la légère, parce qu'il y avait des preuves, et en plus de ça, c'est très 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 grave. Donc là, ça a vraiment choqué, et les gens prenaient plus ça à la rigolade, et là, c'était pas qu'un simple drama. James Charles a ensuite sorti une vidéo sur sa chaîne dans laquelle il s'explique, et en fait, dans la vidéo, il ne va pas nier les faits, il va tout simplement dire que c'est vrai, mais que ces jeunes garçons en question, d'après lui, lui auraient dit qu'ils avaient tous 18 ans. In both of these cases, I added these people on Snapchat, asked how old they were right away, was told that they were 18, believed them, engaged in a flirty conversation, and then later on, found out that they were actually 16. Faut savoir que suite à cette histoire, sa palette avec Morphe, qui était un énorme succès, a été retirée des ventes. Donc Morphe l'avait annoncé sur Twitter en disant « Au vu des récentes accusations envers James Charles, Morphe et James se sont mis d'accord pour arrêter leur relation commerciale et de réduire progressivement les ventes de la gamme des produits Morphe x James Charles. C'est, et ça a toujours été le but de Morphe, de créer un endroit positif, sécurisé et responsable où tous les amoureux de la beauté peuvent partager librement leurs arts et leurs passions pour les cosmétiques, et Morphe s'est engagé à poursuivre cet objectif. YouTube a décidé de démonétiser sa chaîne
pour toujours. Donc en fait, il ne gagne plus d'argent grâce à ses vidéos YouTube. Vous pouvez aller vérifier, quand vous cliquez sur une des vidéos de James Charles, il n'y a plus de pub, donc il ne gagne plus rien grâce à ses vidéos. Et il faut savoir qu'il a également perdu son émission, sa propre émission, puisque YouTube ont décidé de le virer. Donc ils ont dit qu'ils allaient sûrement continuer l'émission, mais que ce ne sera plus James Charles le présentateur. Alors que c'est sa propre émission, donc c'est quand même fou. Faut savoir qu'après sa vidéo, il avait fait une pause de plusieurs mois et il est revenu à l'heure actuelle. Maintenant, il poste toujours des vidéos. Mais c'est vrai que James Charles avant faisait 50 millions de vues, 40, 30 millions de vues par vidéo, et aujourd'hui il peine à faire 1 million de vues. Ce qui est quand même fou quand on se dit que c'est James Charles quoi, et que c'est une référence de YouTube, qu'il fait moins de vues que certains YouTubeurs français, qu'il ne gagne plus d'argent grâce à ses vidéos. Donc voilà les gars, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Également n'oubliez pas qu'il y a le lien pour télécharger eBay Club dans la description. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime très fort. Bye. I can't let them take my soul. Nah, 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 no. Oh, I can't let them take my soul. Nah, 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 no. See, we was cool right before I hit your fist, but he hit the fan when I got him down at a pinch. But I took a break, I had to leave and go get cleansed. God forgive.